Tiens, regarde. Pardon, monsieur, s'il vous plaît, vous pourriez nous prendre en photo? Bien sûr. Oh, c'est gentil. Merci. Merci. On voit bien sur la photo qu'il a l'air embarrassé, qu'il sourit un peu mais pas trop, qu'il n'a jamais aimé poser. On voit bien sur la photo la joie qu'ils ont d'être ensemble, qu'en couleur le bonheur est haut, c'est fou ce qu'ils se ressemblent. On voit bien sur la photo qu'il s'agit de retrouvailles, qu'elle lui souffle à demi-mot, je ne veux plus que tu t'en ailles. Elle se rappelle encore la scène quand il leur avait annoncé: je pars pour des contrées lointaines. Et puis il y était resté. Il n'avait que 20 ans à peine. Son père n'avait pas supporté. Elle se rappelle encore la scène. Lui aussi s'en était allé. On ne voit pas sur la photo qu'il vient chaque année pour les fêtes, qu'il est son plus beau cadeau, qu'il n'est rien qu'il ne regrette. On ne voit pas sur la photo qu'il reprend l'avion demain, qu'elle sera seule à nouveau, seule jusqu'à l'an prochain. On ne voit pas sur la photo qu'elle montrera à ses amis, en étouffant quelques sanglots, combien elle sera fière de lui. Elle se rappelle encore la scène quand il leur avait annoncé: je pars pour les contrées lointaines. Et puis il y était resté. Il n'avait que 20 ans à peine. Son père n'avait pas supporté. Elle se rappelle encore la scène. Lui aussi s'en était allé. Elle ressort cette vieille photo, un peu terne, un peu jaunie. Comme ils sont jeunes, comme ils sont beaux, tous les trois réunis. Elle ressort cette vieille photo, puis elle se dit c'est ainsi. Puis elle la range aussitôt, puis elle s'endort sans un bruit.